Ça y est, c'est parti. Je vais te manquer. Oui, beaucoup, beaucoup. Et voilà, on lance le vlog des US. C'est parti. Donc début de l'aventure américaine Moto America avec le team Ducati. Je vais essayer de vous faire vivre ça à travers ce vlog en plusieurs épisodes pour toute la saison. Le premier ira, je pense, jusqu'à la première course pour vous faire partager ma découverte des États-Unis, de la côte Est, des premiers essais, la présentation du team, la rencontre avec les gars du team et tout. Donc voilà. Voilà, première journée de la vie américaine. Petit resto hier soir. Je sais pas si les Français se souviennent ce que c'est. Et là, voilà. Hop. C'est la maison où je suis pendant une semaine, 10 jours avec mon mégalo. Et et voilà. Après, normalement, j'aurai un appart. Donc voilà, c'est cool. Ça commence. J'ai bien rigolé hier soir. Petit footing ce matin, réveiller le corps. La maison. Dans la chambre, le bordel. Le big room, on va pas y aller tout de suite hein, parce que ça caille, c'est les montagnes, c'est les pistes de ski ici. Donc voilà. C'est cool, ça commence doucement. Vivement qu'on roule en moto parce que ça devient long. Là. Découvert. Bah, belle, hein? Comme quella de Italian Championship, no? Non male. Pam! Questa è quella vera. Hi, nice to meet you. Une légende de Ducati. Heraldo. Yeah. The legend of Ducati. How many titles? The legend of Ducati, you know who is? The guy twisted the throttle. Yeah, but you're the legend in Europe. Yeah, well. How many titles? 2 in America and 2 in World Championship. Yeah, but also the first one, the Remy Roche. Yeah. He was 1 point ahead, and Ducati a guy in with the one American rider. Yeah. And two races, Le Mans and Mosport, making sure that the Honda was behind. Yeah. So. C'est notre team manager cette année. C'est le dernier titre Ducati aux États-Unis. C'était lui le team manager.
C'est lui qui a gagné les premiers titres Ducati aux États-Unis, qui a gagné les titres au Mondial Superbike. C'est une légende. Et voilà, on est mardi à 16. Ça fait quoi, 4-5 jours que je suis arrivé. J'essaie de remettre un peu en place la routine d'entraînement, parce que ça caille vraiment. Là, tu vois, doit faire moins 2, moins 3 degrés. Donc je peux pas m'entraîner dehors, j'ai pas pris mon entraîneur. Donc j'ai fait 2-3 salles, j'en ai trouvé une qui est pas mal. Mon coach Sylvain qui m'envoie mes programmes pour essayer de reprendre un peu routine d'entraînement, de diète, de manger comme il faut. C'est quand même un gros changement quand tu vas dans les supermarchés, c'est de trouver. C'est un peu moins facile que chez nous de trouver des trucs, diète, etc. Donc voilà, mais c'est cool. Bella! Cosa pensi? Molto bella, molto molto bella. Nice, pretty. Che culo. Elle est pas belle? Prête à partir au sticker, au stickage et à New York demain, après-demain. Présentation du team. J'ai même fait 2-3 trucs dessus. J'ai lavé ça, j'ai mis la bulle. New York City. Bon, on voit pas grand chose. On a ramené la voiture. On arrive à New York avec les mecs de Ducati. Shooting aujourd'hui. Grand Central. Looks cool. Cool, right? Yeah, it looks really cool. Je suis gâté, moi. Première fois à New York. Je pense pas que tu puisses avoir une plus belle vue. C'est un peu comme l'aiguille du midi quoi, quand tu vas dans le pas dans le vide. C'est un truc de dingue. Dealership unveiling the bike. Présentation de la moto à quelques chanceux VIP.
special and the bikes are the same as the Italian girls, they are really special. They can be hard to understand sometimes, but they are always really, really good. Lewis and Bobby, please pull the cover. On n'a pas tous la même vie aux États-Unis. Des fois, ça donne envie d'être mécano, je te le dis. Et voilà. À peine parti des États-Unis, de France, arrivé aux États-Unis, je suis remplacé à la maison. Le nouveau venu dans la famille, Scrat. Scrat, oui. On vient d'arriver sur le premier circuit des tests à côté de Dallas, à une petite heure de Dallas, à Crescent exactement. C'est mon mécano Jacques qui m'a récupéré. Le monde est petit, il habitait à côté de chez moi en Espagne, à Chiva. Donc là je découvre le circuit en vélo comme d'hab avec mon beau. Avec mon beau Calandel, les petites Mavic qui vont bien. Là, il commence à pleuvoir, donc je vais pas rester 1000 ans. Tests de Dustin sont terminés, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même super bien passé le premier jour. Franchement je m'attendais pas à être aussi à l'aise sur la moto pour une première séance. Après la deuxième jour il y avait du vent, la piste était plus fraîche, c'était un peu plus compliqué mais ça nous a permis de bosser, donc je suis vraiment content. On a fait beaucoup de runs longs et tout, c'était cool. Donc voilà, là le programme repos aujourd'hui parce que je suis mort. Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé autant et je suis cuit complet, les mains elles sont détruites, mais ça fait du bien, c'est de la bonne fatigue. Et je reste là aujourd'hui, demain petite séance de sport et samedi dimanche je roule avec les concessionnaires Ducati à Houston, à Cota, au circuit des Amériques. Encore une fois, on fait deux jours avec les clients et après je rentre dimanche soir à New York avec le boss. Bon allez, il y a conférence call avec Bibiche. Oh! C'est la future génération. Il va rouler en championnat d'Espagne cette année. Moto 5? Moto 5. What's your name? Mikey Sanchez. Ça y est, j'ai un petit appart, c'est le bordel là, bien emménagé, c'est dans Scranton, ma salle elle est là-bas,
Il y a un physio juste là-dessous. Prêt à aller au vélo, c'est le bordel. Et voilà, tranquille. Il y a des maisons pas trop loin des circuits. Et il y a des maisons sur le circuit. Petit track day pour apprendre une nouvelle piste avec une moto d'origine. Bon, là on va faire un jour ou deux ici. Du test au New Jersey et on rend un petit hommage à Fabio Quartararo. Il y a bientôt plus d'essence, voilà. 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 Et voilà Fabio, c'est pour toi. Et on a déjà vidé le jerrycan de la moto dans le fourgon, hein, bien sûr. Ce soir, je fais à manger pour mon mécano qui vient manger là. Ça y est, j'ai internet, j'ai eu la voiture, j'ai eu parking. Donc voilà, le temps un peu long la semaine avec la maison commence à me manquer un peu par de temps en temps. Les biches, les parents et tout, mais bon, ça va. Heureusement, il y a FaceTime. Ça, c'est cool. Donc voilà, sort ces petites papillotes de saumon, asperges. Je l'ai mis à la diète, le mécano. Je l'ai même inscrit, il s'est même inscrit à la salle, il a recommencé. Bon, il est là. Il y a le prochain circuit à la télé. Il y a le poisson, les asperges, on est pas mal. Vous en pensez quoi, là? Virginie Raceway, après avoir découvert la région en vélo hier, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, on va aller découvrir le circuit, on va essayer de l'apprendre le plus vite possible. Et voilà, ça caille grave aujourd'hui comparé à hier. Donc voilà, on va faire la première séance, on va voir ce que ça donne en 20 minutes, essayer d'apprendre le tracé le plus vite possible, voir où ça tourne, essayer de comprendre les pièges pour la première course. Bon bah là au moins je suis pas dépaysé de la maison. Non mais du coup c'est bon. Il fait beau à la maison, il y a Bibi au téléphone. Et la neige en Pennsylvanie. Et voilà. C'est le départ. Première course. Hello. Hi. Hello. Hi there. Exactly. Premier tour. Sur le vélo. Alors là on voit pas grand chose hein. Ça c'est fond de 6. Ça ressemble à Imola ça un peu. Séance dans une heure et quart. Non,
moto America passer. Ça fait du bien, honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui est parti des épaules. Ça s'est bien passé. On a juste un petit souci en deuxième, début de deuxième séance. Mais honnêtement, c'est un week-end là. Pas que j'appréhendais, mais j'avais hâte. Et il y a quand même de la pression parce qu'on est à. On connaît pas la piste, on a roulé deux jours sur la moto. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils roulent ici sur les mêmes motos, etc. Donc voilà, mais ça fait du bien, j'ai été vite tout de suite. Deuxième séance, je fais 3 et 3 des deux séances. De plus en plus proche, donc voilà, il y a encore des petits trucs à améliorer sur la moto. Moi aussi dans l'apprentissage de la piste, mais j'ai fait beaucoup de tours. Je fais 27 tours ce matin et le rythme, il est bon. Donc voilà, ça fait du bien. Allez, à demain les gars, après la première manche. Bon voilà, première course en moto America terminée. Je vous avoue que là, c'est pas la vidéo que j'ai envie de faire, mais bon. Je vous ai dit que j'allais tout vous faire vivre jusqu'au titre. Et c'était le début de cette chasse au titre aujourd'hui, avec la première manche, il y en a 20. C'était une bonne qualif ce matin, je fais encore 3. Il me reste super technique la première partie, il me reste encore beaucoup de trucs à apprendre et j'avais hâte d'être en course derrière les mecs pour pouvoir apprendre. Et je pars pas super bien, je pars 4. J'ai eu un petit souci pendant 2 tours, comme si le pneu était dur à mettre dans le rythme. Je perds beaucoup de temps, je failli tomber pas mal de fois les deux premiers tours. Je me retrouve vite à 2 secondes des mecs de devant, là les 3 premiers. J'arrive à passer 3 assez vite. Cameron, Peterson n'étaient pas très vite. Et je suis à 2 secondes de Scholz. Gain, il casse le moteur. Et voilà, après je remonte petit à petit sur Scholz. J'étais de mieux en mieux en fait sur la moto. Alors que lui était de moins en moins bien. Je le double à 5 tours de la fin. Je trouvais que c'était le bon moment. Et en fait, le tour d'après, il arrive à me rattaquer. Au même endroit où je l'ai passé en fait, et il me fait les freins, et en fait c'est avant une chicane, donc j'ai envie d'essayer de rester à son extérieur pour replonger à droite dans la chicane. J'ai vu pas mal de courses, il y a pas mal de mecs qui faisaient ça, et en fait ça m'a juste déporté un peu sur une bosse que j'avais pas encore vue, et je perds l'avant, donc c'est ma connerie quoi. Donc voilà, c'est comme ça, on réessaye demain, et demain on va aller la chercher. On part 11, donc c'est le souci, mais on va aller la chercher demain. Bon, encore une fois là, c'est compliqué. C'était un week-end magique, sans récompense. Y'a pas l'excuse, problème technique sur celui-là. Je peux pas en dire beaucoup plus. J'ai réussi à faire un bon départ, c'était le seul truc qu'il fallait que je fasse. Je suis remonté, j'étais 6, je suis passé 5, je venais de passer 4. J'étais le plus rapide en piste et voilà, je commençais à être de mieux en mieux sur moto. On est vraiment pas bien avec le pneu neuf, mais on est bien quand le pneu vieillit, donc ça c'était cool. Et voilà, je remontais, j'allais me les faire. J'ai rien d'autre à dire. C'est comme ça. J'espère qu'on a mangé notre pain noir, on va réagir, faut qu'on bosse. C'est pas que de la malchance, faut qu'on bosse plus. Donc voilà, maintenant tête haute parce qu'on a montré qu'on était là. Il y a encore 450 points à distribuer. Et voilà, j'espère qu'on a. Enfin, on le sait, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc on va le. On va retourner au travail, on va essayer de faire des tests, essayer de voir les choses qu'on. Réagir un peu sur les petites choses, mais c'est conneries. Hein. C'est une tige de sélecteur qui a cassé et voilà. Donc faut qu'on réagisse et. Et voilà, je lâche jamais le morceau, je suis un combattant, c'est ce que m'ont donné mes parents. Donc je lâche jamais rien. Merci à mes potes, Francky, Guarno, Juju, ma copine. Bon voilà, on est revenu à. Je viens d'arriver à Scranton. Réveil compliqué ce matin, mais voilà, on se remet dedans. Petite journée cheat day, premier burger, depuis que je suis là, un peu lâché ce week-end derrière, et on va recommencer demain à s'entraîner pour la prochaine, à reprendre le sport et à ressortir la balance, etc. Et on lâche rien. Et j'ai hâte d'être à Viaya, Virginia. C'est un beau circuit, je le connais, j'ai roulé avec la moto d'origine. Donc voilà, maintenant il y a 3 semaines à attendre. C'est le plus compliqué, mais ça va le faire. Et voilà, j'espère que ce blog vous a plu. C'est le numéro 1. J'espérais vraiment pas
le terminer sur une note comme ça, mais voilà, c'est le but du truc. C'est, je savais que ça allait pas être tout simple, donc c'était de vous montrer un peu tout ça. Voilà, on commence le numéro 2 demain, qui sera publié, je pense, après Road America. Donc j'espère avec un petit peu plus de réussite. Je vais publier plus d'autres vidéos, un peu vraiment compte rendu du week-end, etc. Mais voilà, là, c'est vraiment la globalité du blog. Du vlog, pardon, pas du blog. Voilà, allez, bisous à tous, continuez de me suivre, partagez ça. Ciao les gars, on lâche rien. It's like we're reunited.